Julien Gerbi, on est ici donc en Slovaquie. Il y a beaucoup de choses sur cette grille de départ. On parle du bien d'un Michelin évidemment. Il y a les grid girls là aussi. Il ne faut pas se déconcentrer. Je ne peux pas vraiment te répondre parce que je suis marié et ma femme regarde la télé. Donc. Bon, et ben en tout cas sur cette course 6 heures là aussi ça change la donne peut-être, non? Oui, au niveau de la stratégie, il faut revoir tout ça. Il faut s'adapter et ça donne le risque d'avoir plus d'imprévus. Les pilotes savent ce qu'ils ont à faire. On sait qu'on a de bons équipages, 3 pilotes par voiture. Là aussi, c'est quelque chose de très important. Oui, on a un équipage qui est plutôt jeune sur la 94, qui a déjà fait 2 podiums dans les 2 premières courses. Sur la 95, d'habitude, on a un équipage plus gentleman qui marche assez bien. Et on a un petit jeune polonais qui fait sa première course automobile, qui les a rejoints et qui marche bien aussi. Donc espérons qu'il y ait le moins d'erreurs possible en piste et dans les stands. Et on verra ce qui se passe dans 6 heures. Et ben bon courage en tout cas, merci Julien. Merci à toi. We'll be right back.